Entre les jambes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle classe. En l'occurrence, la classe Jiangxiu. Il va falloir que j'apprenne à parler chinois. Donc cette classe spécialement féminine, hein, on peut faire que des filles et des femmes. C'est la healeuse du jeu. C'est elle donc qui va avoir le lourd rôle de healer. Même si quelque part elle a, j'ai trouvé un très gros DPS, elle est très vive et elle se bat donc avec une ombrelle. Certains disaient parapluie, moi je trouve que ça ressemble plus à une ombrelle. Et voilà, et elle, donc à un moment donné, vous choisissez votre template avec heal ou DPS. Elle a la possibilité de res. Très belle classe. D'abord, c'est la première classe que j'ai joué dans le jeu, et je vous avoue qu'elle a participé à mon coup de foudre parce que extrêmement vive. Il n'y a pas photo, ça bouge. Et puis c'est vrai que c'est assez plaisant avec avec ce petit tunnel là. J'ai dit, c'est uniquement sexe féminin. Elle va pouvoir donc être healeuse dans le jeu. Mes recherches dans le jeu, je suis pas certaines choses, comme par exemple véritablement les classes prennent toute leur puissance et véritablement leur qualité de gameplay à partir du level 40. Et je me dis si c'est déjà au-dessus de ça, franchement, ça va être impressionnant. Démarre
Le vilain. Regardez ce qu'il me fait, le vilain. Une jolie fille comme ça, non, sans déconner. C'est du gâchis. Viens par là, mon petit gars. Alors elle démarre avec deux compétences. Dans la première vidéo, nous avons parlé de des fameuses jauges qui se trouvent au-dessus de des compétences, de la barre de compétences. Et toutes ces barres, donc il y en a son nombre de 5. Je vous ai dit donc la barre verte, la barre de grosse barre verte, donc c'est la vie. La barre bleue, je dirais, je l'appellerais l'énergie, hein, c'est ce qui va me permettre de voler, de faire des sauts longs et constants et sprinter. Et puis les trois autres, en dessous, on a la blanche, je pense, pas me tromper, hein, mais je peux pas en être dire affirmatif. C'est, je pense, la stabilité. Parce que c'est une barre comme un bouclier qui se mange au fur des dégâts et au fil des dégâts. Et quand il n'y en a plus, ben, c'est le personnage qui prend les dégâts. Les deux autres jauges, je pense qu'il y a une jauge qu'il va falloir monter pour pouvoir, quand on laisse. Touche enfoncée d'un skin particulier, bien, il va se répéter une deuxième, une troisième, une quatrième fois, et cette jauge va consommer, et donc vous allez avoir une animation différente, et deux des dégâts, bien évidemment, burstés, ou du vil burstés, etc. Donc je pense que ces jauges, d'ailleurs elles sont différentes de certaines classes, il y en a qui ont la jauge de droite, coupé en trois morceaux, donc il faut passer les trois tiers, et puis certains c'est une seule barre et unique. Voilà, tout ça à prendre avec des pincettes, parce que je ne fais que prendre des infos à droite, à gauche. Si j'en trouve, ben je ramènerai un peu plus d'informations, d'où l'importance de bien gérer ces jauges pour des classes comme celle que je vous présente en ce moment. Ouais, vous avez vu l'usage des ombrelles. Un, elles font pas mal de dégâts. Deux, vous avez vu qu'elles font un pack. Elles packent les groupes pour les mettre sur un. Comme les mettre en boule, quoi. Et puis de là. On va le faire là. C'est loupé. Il y a aussi, Jimon, ça doit peut-être mieux expliquer que moi, il y a quand on tue le dernier personnage, on fait et ça vous remonte full vie, ça a une appellation. Pareil, je vous en informerai quand j'aurai plus d'informations là-dessus. Vraiment intéressant à gérer, hein, comme je vous le dis, c'est en premièrement les divers jauges, hein, les 5 barres qu'on vient de parler, puis les esquives, les parades, les contres, les deux fameux sorts, donc un d'attaque et un de défense pour attaquer
la barre de stabilité. Voilà, en PVP, entre l'ensemble des skills de la classe, plus l'ensemble des utilisations que tout le monde, toutes les classes ont, ça va faire du gameplay tout ça. Hein. Et là, on va vraiment pouvoir gérer un ensemble de choses intéressantes. Enfin, moi, ça me plaît, en tout cas. J'aime bien ça quand on n'est pas affilié à deux touches et qu'on est obligé de voir ce qu'on a mis sur l'adversaire ou ce que lui-même vous a déposé sur la tête pour voir et lancer nos contre-attaques ou nos défenses. J'en ai vraiment qu'il y ait un patch qui nous arrive le plus rapidement possible pour avancer un peu plus dans la compréhension, parce que ça reste difficile quand même. Voilà, on va arriver au boss, je vais laisser ma petite le démolir et je vous dis aux prochaines vidéos, hein, n'oubliez pas, on en a encore 4 à voir ensemble. Non, 5, pardon. 5 classes. En attendant, je vous dis bonjour à tous. Demain, je rentre sur Black Desert Online, donc je vais un petit peu jouer à Black Desert. J'ai encore 2 petites classes à tester. Et de là, j'aurai fait mon choix pour la release du 28. Bye bye à tous et bon jeu les gens.